Il y a très longtemps, un bûcheron et une bûcheronne, ils ont 7 enfants. Le plus grand a 10 ans et le plus jeune, il a 7 ans. Le dernier garçon, quand il est né, il n'est pas plus grand que le pouce. Alors, on le surnomme le petit pousset. Ce pauvre garçon devient souffre-douleur de la maison. On lui donne toujours d'or. Pourtant, lui, c'est le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Si lui, il ne parle pas beaucoup, il écoute beaucoup. Arrive une année de misère. Bien des parents débarrassent leurs enfants pour survivre. Le bûcheron dit à sa femme, « Hé, qu'est-ce qu'on fait là? Avec les enfants, on n'arrive pas. J'ai bien réfléchi. Demain, je vais les amener dans le bois et puis quand ils s'amusent, on va les laisser là. Hein? » De quoi tu parles? Hein? On est pauvres, mais on ne peut pas les laisser là. Je ne peux pas faire des choses si terribles. Pendant toute la nuit, elle dispute fort avec son mari. Pendant toute la nuit, elle pleure. Mais en pensant, elle va voir ses enfants mourir. L'un après l'autre. Elle accepte enfin la proposition de son mari. Le petit pousset parlait pas gros, mais il écoutait beaucoup. Les parents avaient eu beau discuter à voix basse, ils avaient tout entendu. Je vous dis qu'il a pas gros dormi cette nuit-là. Comment faire pour pas mourir dans le bois avec mes frères? Tourne, puis tourne, puis tourne d'un bord, puis tourne de l'autre. Ben, quand le jour s'est pointé le nez, il avait trouvé. Il a couru jusqu'à la rivière, puis là, il s'est mis à ramasser des petites roches blanches qu'il a mis dans ses poches, bien pleines. Puis là, il retournait à la maison sans rien dire à personne. Le père lui a dit, « Bon, les enfants, aujourd'hui, on s'en va tous travailler dans le bois. Venez-vous-en. » Ils les ont amenés plus loin qu'ils ne les avaient jamais amenés, une place où le bois était tellement épais qu'on ne voyait pas 10 pas par en avant. Les parents ont commencé à scier, puis à ébrancher, puis... « Vous faites rien, vous autres? Envoyez! » « Allez ramasser du petit bois !» Dès que les enfants ont eu le dos tourné, les parents se sont enfuis comme des voleurs. Puis à la fin de la journée, quand les petits se sont rendus compte qu'ils étaient tout fin seuls, perdus dans le bois, ça s'est mis à crier puis à pleurer. Mais il y en avait un qui pleurait pas, par exemple. Le petit pousset. Il a dit, le père puis la mère nous ont perdus dans le bois, ben moi, je m'en vais nous retrouver, venez-vous-en. Et c'est ce qu'il a fait parce que lui, en s'en venant, il avait semé ses petites roches blanches une par une, ce qui fait qu'il était capable de refaire à l'envers tout le chemin qu'il avait refait à l'endroit le matin. Ils sont arrivés droit devant la maison, mais là, ils ont figé. Qu'est-ce qui les attendait en dedans? Ils ont collé l'oreille contre la porte pour écouter ce que disaient les parents. Les parents disaient rien. En dedans, les parents, ils étaient assis à table, puis ils fixaient...
La dinde qui venait de dévorer à moitié. Puis le sac d'argent qu'un homme leur avait donné juste comme ils sortaient du bois. C'était le paiement d'un bois de chauffage qui avait vendu une grosse corde à l'automne au plus gros fermier de la place. Un séraphin qui achetait juste à crédit. Quand il avait vu l'argent, il avait tellement faim. Il avait couru jusqu'à la boucherie, puis là, ben, il n'avait acheté 3 fois trop, puis il avait fait à manger pour 10, puis là, il se retrouvait rien que 2. La mère a commencé à se lamenter. Mes enfants, mes pauvres enfants, avec tout ce qu'on a à manger maintenant, on aurait pu les nourrir pendant des jours et des jours. Mes pauvres enfants, où sont mes enfants maintenant? Ils ont été bouffés par les loups, oh, sans doute. Et tout ça. Ça, c'est ta faute, mon mari. C'est toi qui as voulu qu'on s'en débarrasse, qu'ils disparaissent, qu'on aille les porter loin dans la forêt pour qu'ils meurent. Si ça se trouve, c'est eux qui maintenant ont servi à manger de repas aux animaux, aux bêtes sauvages. Et c'est ta faute, mon mari. C'est ta faute. Je t'avais dit que tu t'en repentirais. Je t'avais dit que tu regretterais. Je savais que tu regretterais. Tu regretterais. C'est certain que tu regretterais. Que tu regretterais. Tu regretterais. C'est sûr que la femme était bien émotive à ce moment-là. Puis lui, son mari, commençait à perdre patience. Ah, oh, non pas qu'il croyait pas que c'était de sa faute, mais c'est qu'elle répétait sans cesse que c'était de sa faute à lui, qu'il allait le regretter. Puis ça y emplissait la tête, ça y faisait prendre conscience de, ben qu'elle avait raison, puis que c'est vrai qu'il commençait à le regretter. Puis pendant que la femme continuait à pleurer, puis pleurer toutes les larmes de son corps, ben tout à coup, elle a dit, mais où sont mes enfants plus forts que les autres fois? Et les enfants, là, au bord de la porte, ont crié « Maman, nous sommes ici! » Alors, la femme est partie en courant, elle a ouvert la porte, et quand elle a vu ses 7 enfants, elle s'est jetée dessus, elle les a embrassés, et puis elle les a regardés. Mais mes enfants, je suis tellement contente que vous soyez là, mais vous êtes tellement toutes crottées. Venez, venez, je vais vous débarbouiller. » Puis un après l'autre, elle les a lavés, en étant bien heureuse d'avoir trouvé ses enfants. Et puis alors, ben, ils se sont joints à la table, ont mangé, puis se sont racontés les histoires qui s'étaient passées, toutes les peurs qu'ils avaient eues. Et puis, après, sont allés dormir. Mais un jour, les 10 écus ont disparu. Il n'y en avait plus, ils se retrouvaient avec le même problème qu'au tout début. Alors, ils ont décidé. De ramener les enfants dans la forêt, cette fois-ci, beaucoup plus loin, pour qu'ils ne puissent pas retrouver le chemin de la maison. Le petit poucet a tout entendu, mais il n'était pas plus inquiet. Il a décidé que le matin suivant, il irait chercher des cailloux et qu'il marquerait son chemin pour pouvoir y retourner. Mais quand il s'est réveillé, il a essayé d'ouvrir la porte et la porte était fermée à clé, à double tour. Il commençait à désespérer quand il a vu que sa mère était en train de distribuer à chacun des enfants un morceau de pain. Il s'est dit, mais c'est ça, je vais garder mon pain dans la poche et en allant à la forêt, je vais laisser de petits bouts pendant tout le chemin et comme ça on pourra retourner. Les parents les ont emmenés alors au fin fond de la forêt, à la partie où c'est déjà difficile d'entrer, où il fait déjà un peu plus sombre. Et les 2 adultes sont partis par un chemin différent pour ne pas laisser des traces. Et quand Petit Poucet a commencé à rechercher les miettes,
il ne les a pas trouvés. Les oiseaux avaient tout mangé. Lui et ses frères ont commencé alors à marcher sans destination, sans savoir exactement par où aller. Et le plus qu'ils marchaient, le plus ils s'enfonçaient dans la forêt. Les nuages commençaient à s'assombrir et des grosses gouttes de pluie gelée leur tombaient dessus. L'eau était si froide qu'elle gelait leurs os et même leurs espoirs. À chaque pas qu'ils donnaient, ils s'éclaboussaient plus, certains tombaient, certains se faisaient mal. Ils ne pouvaient plus bouger. À un moment donné, quand la pluie est finie, il faisait déjà noir, ils ont commencé à écouter des bruits de loups. Ils perdaient vraiment leur espoir. Tout à coup, Petit Poucet a grimpé dans un arbre. Il a commencé à chercher quelqu'un. Et il a vu. Il a vu au fond, au-delà de la forêt, une petite lueur, pas plus grande que la flamme d'une chandelle. Il est descendu de l'arbre. Et d'en bas, il ne pouvait rien voir. Mais il s'est dit, c'était par là. C'était par là. Et on y va. Ils sont rentrés dans la forêt noire, épaisse comme une grosse brosse à cheveux, là, toute mêlée. Mais c'est quand ils sont sortis du bois qu'ils l'ont retrouvé. Est en train de danser, là, loin là, d'un branchage. On dirait qu'elle voulait leur faire peur. On dirait qu'elle voulait jouer à cache-cache. Surtout là, quand ils descendaient là, dans le creux du paysage, là, pouf, elle disparaissait. Mais Petit Poucet, avec ses yeux perçants, il finissait toujours par la retrouver. Mais après bien des détours, ils ont fini par arriver à la maison. Avec la petite lumière dedans. Les sept frères, serrés comme des sardines, avec Petit Poucet très devant, ont été frappés à la porte. Une femme a ouvert. « Oh, vous êtes donc bien mignons, vous autres. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Petit Poucet a répondu. « Bonjour, madame. On est des pauvres petits enfants perdus. Puis, là, on commence à avoir vraiment froid. Est-ce qu'on pourrait dormir chez vous ce soir? » La femme est venue les yeux pleins d'eau. Des larmes écoulaient sur les joues. « Ben, voulez-vous bien me dire d'où ce que vous venez, vous autres? Vous savez pas qu'il habite un ogre ici, dans cette maison-là, puis qu'il mange les petits-enfants? » « Non, on le savait pas. » Petit Poucet et ses sept frères sont devenus plus blancs que des draps propres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on reste dehors toute la nuit, on va se faire manger. On va se faire ravaler d'une traite par les loups. Si on reste ici, c'est votre mari qui va nous manger. Mais si vous lui demandez, là, ben peut-être qu'il va avoir pitié de nous. La femme a décidé de les laisser rentrer parce qu'elle avait une idée où les cacher. Elle les a amenés près du feu où il y avait un mouton à broche qui était en train de cuire pour le souper. Il était en train de se réchauffer quand là, ils ont entendu. Boum, boum, boum. Ma femme, le souper, es-tu prête? J'ai faim. La femme, aussitôt, elle les a cachés en dessous du lit. L'ogre a ouvert la porte en disant, « Oh, j'ai envie d'un petit coup de rouge, là. Va me chercher ça. » Puis là, ben il est allé s'asseoir à la table de cuisine, puis il a dévoré le mouton encore bien saignant. Il s'est nanné léché les babines, là. Il en a fait les yeux là, qui reviraient à l'envers. Puis là, il s'est mis à renifler à gauche, à droite. « Oh, hein! » Ça sent la chair fraîche. La femme de l'ogre a essayé de le convaincre que non, 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 il n'avait absolument rien là et qu'il devrait finir de manger ce qui était sur la table. Mais l'ogre ne s'est pas laissé convaincre. Il s'est levé, il a donné un grand coup sur la table et ensuite
Il est parti en direction de la chambre, et dans la chambre, toujours en criant, en hurlant, « Ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche !» Il a commencé à chercher, il a cherché dans tous les tiroirs de la commode, il a cherché derrière les rideaux, il a cherché dans le placard, et finalement, il a cherché là, en dessous du lit, où étaient cachés les enfants, et il les a trouvés, et il les a pris, un après l'autre, les enfants pleuraient, l'ogre, lui, il riait, « Oh, oh, de la chair fraîche, de la chair fraîche !» Ensuite, il a demandé à la femme d'aller chercher un grand couteau à la cuisine, parce que il voulait tuer et manger les enfants immédiatement. Et puis, la femme a essayé de le convaincre que non, non, ce n'était pas une très bonne idée parce que, bon, il avait encore tellement de bouffe sur la table de la cuisine, des mets qu'il aimait et qui n'avaient pas encore fini et qui étaient en train de refroidir. Une tête de cochon, et puis le mouton et des pattes de poulet. Pourquoi pas laisser les enfants pour plus tard? L'ogre s'est mis à penser, peut-être que sa femme avait raison. Et il lui a dit que, dans ce cas, elle devrait tout de suite aller donner à manger aux enfants, les mettre au lit, parce que comme ça, il les mangerait le lendemain. Et il est parti à la cuisine, il s'est assis encore à la table et il a commencé à manger. Oh, le mouton qu'il aimait ça, oh, la tête de cochon qu'il aimait ça. Et puis, il pensait que, oui, le lendemain, il pourrait même inviter ses amis, les ogres, pour venir manger les enfants avec lui. Et ceci dit, il a bu un verre, deux verres, oh, il a bu une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un petit peu mal à la tête. Et puis, ça l'a obligé à aller se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Mais elles avaient aussi des petits yeux gris, tout ronds, un nez crochu, une fort grande bouche, avec des longues dents, fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore très méchantes, mais elles promettaient beaucoup. Elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. Ce soir-là, on les avait fait coucher de bonne heure. Elles étaient toutes les 7 dans un grand lit, avec chacune une couronne d'or sur la tête. Dans cette même chambre, il y avait un autre lit de la même grandeur. Ce fut là que la femme de l'ogre mit à coucher les 7 petits garçons. Après quoi, elle alla elle-même se coucher auprès de son mari. Le petit poussé avait bien remarqué les couronnes d'or sur la tête des petites filles de l'ogre. Et puis, il craignait aussi qu'il ne prît à l'ogre quelques remords de ne pas les avoir mangées dès le soir même. Alors, au milieu de la nuit, il se leva et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des petites filles de l'ogre. Après leur avoir ôté leur couronne d'or, pour les mettre sur la tête de ses frères et la sienne. Comme ça, l'ogre prendra les garçons pour les filles et les filles pour les garçons qu'il voulait dévorer. La chose réussit comme il l'avait pensé. Et au milieu de la nuit, l'ogre se réveilla avec le regret immense d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il bondit hors de son lit. « Allons voir comment se portent nos petits drôles. N'en faisons pas à deux fois. » Il monta donc à tâtons
vers la chambre de ses filles et se dirigea vers le lit où se trouvaient les petits garçons. Tout le monde dormait, sauf le petit poussé, qui, lui, eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre lui tâter la tête, comme il avait tâté la tête de tous ses frères. Mais là, il s'est rendu compte qu'il y avait 7 petites couronnes d'or. C'est qu'il dit « Oh, qu'est-ce que j'allais faire là? » Il se recule puis il s'approche de l'autre lit où se trouvent ses 7 petites filles. Il se met à lui tenter le coco comme il a fait avec les tigas. « tente le coco » puis il sent 7 petits bonnets. C'est qu'il dit « Parfait, c'est eux autres. » C'est qu'il sort son attirail, flic, flac, flouche, flouche. Ça va être bon demain matin, ça. Il était fier de sa job, il redescend en bas se coucher avec sa femme. Le petit poussin, lui, aussitôt qu'il l'entend ronfler, les gars, les boys, il réveille ses petits frères. Habillez-vous, on sait que notre cassette. C'est qu'ils descendent sa pointe des pieds, ils traversent le jardin, ils escaladent la muraille, puis ils partent à la course comme 7 poules pas de terre. Ils savaient pas où ce qu'ils allaient. Ils ont couru de même toute la nuit. Toute la nuit, ils étaient rendus à peu près 200 km plus loin quand Claude restait réveillé le matin. Là, il se réveille, il avait faim. Il dit à sa femme, on va me chercher cette petite comique d'hier soir. On va faire connaissance. Fait que là, sa femme, elle trouvait bien Joël. Ça fait qu'elle dit, ben, es-tu rendu avec un cœur, mon mari? Ça fait qu'elle monte à l'étage. Rendue à l'étage. Pouf, elle tombe sans connaissance à terre. Fait que là, lui, il entend ça. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle veut pas me les apporter. C'est qu'il monte en haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive en haut. Il voit sa femme sans connaissance. Il voit que le lit des 7 petits bonhommes n'est pas là. Puis il voit que dans le lit où est-ce qu'il a fait le carnage, c'est ses 7 filles qui sont là. Il fait non! On l'a entendu sur toute la terre. Fait que là, il ramasse sa femme. Chérie. Elle se réveille. Va me chercher mes bottes de ce lieu. Va te retrouver ces petits sacripants-là. C'est que la femme, à part, puis elle ramène ses bottes de ce lieu. Il enfile ses bottes de ses lieux, il jump à la muraille, puis il part à la course comme un fou. Il part à gauche, il part à droite. Avec les sautes en Australie, il fait le tour d'Australie, il trouve pas. C'est qu'il se met un pied en Inde, un pied en Asie, il saute à plein ventre, puis il tombe dans la Méditerranée, puis il nage jusqu'en Europe, il fait le tour et il y trouve pas. Il se redonne une swing, il saute en Afrique, ils sont pas là non plus. Il saute au Canada, il arrive au Québec direct, c'était l'hiver. Ben frère, tu sais. Il saute en Amérique du Sud, finalement, il ressort d'où ce qu'il vient. Et là, il arrive directement dans le chemin où est-ce que les 7 petits gars sont en train de se trouver. Ils sont à peu près à 100 pas de chez le père et le maire. C'est qu'ils voient en arrière d'eux autres, ils jumpent des montagnes, là, ils s'en viennent. Hein? Puis ils traversent des rivières comme si c'était des ruisseaux, des lacs comme si c'était des flaques. Puis ils s'approchent d'eux autres dangereusement. Lorsque le petit poussé a aperçu un arbre creux, un gros pin, ils se sont dirigés au pied de l'arbre. Le petit poussé a dit à ses frères, « Vite, cachons-nous à l'intérieur du tronc. Entrons après l'autre dans le trou au pied de l'arbre et montons dans le tronc creux. » Pendant ce temps-là, l'ogre, lui, il continuait de pourchasser le petit poussé et ses frères. Mais il s'est retrouvé pris d'une grande fatigue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bottes de 7 lieues. Dieu sait que c'est rapide, mais Dieu sait que ça fatigue son homme. L'ogre, pris d'une grande fatigue, voulait se reposer. Il a aperçu l'arbre creux, un grand arbre. Il est venu s'installer au pied de l'arbre. Il est assis, à côté. Pris d'une grande fatigue, il s'est endormi. D'un sommeil profond, il s'est mis à ronfler. Un ronf effroyable, un ronf terrifiant, qui faisait peur au petit frère de l'ogre. Il avait aussi peur que la veille, lorsque l'ogre le menaçait de son couteau. Le petit poussé, lui, il n'avait pas peur. Le petit poussé, il était rusé. Il a dit à ses frères, « Vite, profitons du sommeil de l'ogre pour se sauver. » Il a dit à ses frères, « Allez-vous-en, tentez de retrouver le chemin de la maison. Occupez-vous pas de moi. Moi, je m'occupe de l'ogre. » Ses frères l'ont écouté. Le petit poussé a profité du sommeil profond de l'ogre pour le déchausser de ses bottes de sept pieds. Il s'en est emparé. Il les a mis à ses pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que des bottes de sept lieues, ça s'adapte au pied de celui qui les porte. Ça peut s'agrandir ou ça peut tisser. C'est votre âge. Après 2 ou 3 enjambées, le petit poussé était très à l'aise dans les bottes. Rapidement, il s'en est allé directement à la maison de l'homme. Rencontrer sa femme, qui pleurait encore la perte de ses filles. Il a dit, « Madame Ogre,
C'est important. C'est votre mari, l'ogre, qui m'envoie. Il lui a dit, l'ogre a été fait prisonnier par un groupe de voleurs. Le plus gros des voleurs le menace à l'aide d'une fourche. Un voleur plutôt moyen le menace à l'aide d'un fourcheau. Et le plus petit des voleurs, lui, le menace à l'aide d'une fourchette. Ils veulent avoir tout son or et tout son argent. L'ogre m'a prêté ses bottes de ces lieux pour que j'arrive ici plus rapidement. Sérieux, est-ce que l'ogre m'aurait prêté ses bottes de ces lieux si ça n'avait pas été pressant? La femme de l'ogre pense à ça. Se dit que son mari est peut-être en grand danger. Puis elle, son mari, elle l'aimait. Elle trouvait que c'était un bon mari. À part qu'il mangeait des petits-enfants, là. Mais bon, ça c'est son histoire à elle. Moi, je la comprends pas, son histoire à elle, mais dans notre histoire à nous, elle a ramassé la fortune de l'ogre, puis elle l'a donnée. Elle l'a donnée au petit pousset. Puis dès que le petit pousset a eu la fortune de l'ogre, ça n'a pas été long qu'il s'est petit poussé. Pour arriver dans sa famille. Ouais. Là, il a été accueilli, là, ça a été une belle fête d'agrément. Tout le monde était content de le revoir. Je peux vous dire que cette version-là du petit pousset, hein, ça finit bien. Mais il existe une autre version du petit pousset. Une version dans laquelle le petit pousset va jamais voler le trésor de l'ogre. Non. Dans cette version-là que je connais du petit pousset, le petit pousset croise un roi. Un roi qui a un problème de communication. En fait, son armée est très, 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 très loin. Et puis là, il veut y envoyer un message. Et là, il demande au petit pousset, « Tu peux-tu faire ça? Je serais prêt à donner une fortune. » Ah, pour une fortune, moi, je ferais ça, dit le petit pousset. Je suis capable de faire ça avec ses bottes de salut. Ça n'a pas été une traînée. Hein? Le petit pousset s'en va, donne un message à l'armée, revient avec un message au roi. Puis là, il se met à commencer à faire ça. Toujours en échange d'argent. Bon, le roi, ça paye bien. Hein? Fait que là, c'est pas long que le petit pousset se ramasse une fortune. Un peu comme les compagnies de cellulaires aujourd'hui. Ouais, une belle fortune. Fait que c'est avec cette fortune-là, acquise auprès du roi, que le petit pousset retourne dans sa famille. Il arrive avec ça, puis là, il est accueilli dans une fête d'agrément. Là, il y a juste, pour la décrire, là, il n'y a juste pas de mots.